Ça vous dit une histoire? Aujourd'hui, je prête ma voix à la belle Scheherazade pour vous conter une histoire des mille et une nuits. Hanim était un jeune marchand plein de charme et de talent, aux beaux yeux mordorés et au sourire facile. Chaque jour, il quittait la maison dans laquelle il habitait seul, remontait le dédale de ruelles de Bagdad pour se rendre jusqu'au marché. Et après sa longue journée de travail, il rentrait chez lui, le cœur léger, remontait encore une fois le dédale de ruelles pour arriver jusque chez lui. Chaque jour était identique au précédent, identique au suivant. Pourtant, un matin qu'il passait dans cette rue, pareille à toutes les autres, avec un long mur et un arbre, il ralentit le pas. Il fut frappé par une voix. Quelqu'un chantait, une femme, peut-être un ange. La voix était chaude, douce, envoûtante. Très lentement, Hanim allongeait le mur. Mais hélas, chaque mur s'arrête un jour et il poursuit sa route. Ce jour-là, au marché, il fut distrait, rêveur. Et le soir, il ferma son étal un peu plus tôt pour revenir dans cette ruelle désormais unique à ses yeux. La voix chantait toujours. Il l'écouta longuement jusqu'à ce qu'elle se taise. Il rentra chez lui. Le lendemain matin, il partit un peu plus tôt de chez lui mais arriva plus tard au marché. Il avait pris le temps d'entendre la voix encore une fois dans la ruelle. Et le soir, il quitta le marché un peu plus tôt pour rentrer un peu plus tard chez lui, toujours pour la même raison. Et chaque jour, le temps qu'il passait chez lui ou au marché réduisait de plus en plus au profit de cette ruelle si quelconque devenue unique. Un soir, il se dit que ça ne pouvait plus durer. Ses affaires allaient finir par péricliter et il fallait qu'il fasse quelque chose. Chez les oiseaux, le chant le plus beau appartient au rossignol, qui a le plumage le plus terne. Et de la même façon, le paon a le plumage le plus flamboyant, mais aussi le chant le plus discordant. Cette jeune femme, était-elle jeune d'ailleurs? Il n'en savait rien. Il n'avait fait que l'imaginer. C'était assurément un laideron, une femme laide et repoussante. Qu'il la voie, il serait guéri de son obsession et il pourrait reprendre sa vie tranquille, comme avant, tout pareil. Très fier de son idée, le lendemain matin, il vint dans la rue. Un coup d'œil à gauche, un coup d'œil à droite. Personne. Alors il grimpa le long de l'arbre, dont les branches indiscrètes s'inclinaient jusque de l'autre côté. Il rampa, découvrit de l'autre côté un somptueux jardin, des fleurs parmi les plus belles, une fontaine riante et fraîche. Mais le regard de Hanim fut complètement absorbé par la femme qui dansait dans ce jardin. La soie de sa longue chevelure de jais cascadait sur sa peau nue qui paraissait douce comme la pêche. Elle aurait rêvé d'en croquer un morceau. Il était perdu, éperdument amoureux.
cette jeune femme qui dansait. On l'appelait la belle tourmente. C'était la favorite du sultan. Il la comblait de ses bienfaits. Elle lui avait réclamé un jardin où elle pourrait danser seule et nue sous le regard du soleil ou du sultan. Il avait accepté. Naturellement, il ne lui refusait jamais rien. Tous les hommes qui avaient vu cette femme en étaient amoureux, mais on ne touche pas à la favorite du sultan. Dans le harem, elle était cordialement détestée. Cela va sans dire. Mais elle s'en moquait. Elle passait ses journées dans ce jardin, heureuse comme tout. Ranim, pauvre Ranim. Il se doutait bien que cette femme ne serait jamais la sienne, que c'était celle d'un autre. Mais de ce jour, chaque matin, il revint grimper dans l'arbre pour la regarder, pour la voir, hypnotisé qu'il était par sa beauté. Le soir, il rentrait quand elle était partie. Un jour qu'elle dansait tranquillement, comme avertie par on ne sait quelle intuition, elle leva l'œil vers l'arbre. Ranim, aussitôt, pour ne pas être découvert, voulut descendre, mais dans sa chute précipitée, il se foula une cheville. Boitant, il rentra chez lui, honteux. Le lendemain, son pied avait gonflé. Il ne pouvait pas remonter dans l'arbre. Tristement, il revint au marché, faire son travail. Une semaine durant, il ne put pas remonter dans l'arbre. Pour lui, 100 ans n'auraient pas duré aussi longtemps. Il la voyait dans chaque regard de femme qu'il devinait sous le voile. Partout, il la cherchait malgré lui. Une semaine, ça peut être si long. Et enfin, son pied a dégonflé. Il a pu réescalader l'arbre. Il s'est penché au-dessus du mur. Elle était encore là, encore plus belle. Elle chantait encore mieux. C'était encore plus merveilleux. Mais alors qu'il la contemplait, la porte du jardin s'est ouverte violemment. Deux hommes sont entrés avec une grande caisse. La jeune femme, la belle tourmente, a commencé à tempêter, à leur dire qu'il n'avait rien à faire là, qu'il risquait gros à venir ainsi l'embêter, mais les deux hommes semblaient déterminés. Ils assommèrent la jeune femme, l'enfermèrent dans la boîte et s'enfuirent comme des voleurs. Aussitôt, Ranim descendit de l'arbre et les suivit dans le dédale des ruelles de Bagdad. Ils franchirent la porte, les remparts, et marchèrent encore un peu loin des murailles, à l'abri des regards. Là, les deux hommes posèrent leurs charges et se mirent à creuser. Enfin, ils semblaient satisfaits du travail accompli, ils ouvrirent la boîte et contemplèrent la jeune fille. C'est malheureux de laisser un bout de femme pareil aux fourmis. T'as bien raison, mais si on en profite, personne ne le saura. Tu crois ? Oui, installons-la correctement. Ranim avait tout vu, tout entendu. Discrètement, il attrapa l'une des pelles que les deux hommes avaient abandonnées et les attaqua sauvagement par derrière avant qu'ils n'aient pu profiter de la pauvre jeune femme inconsciente. Les deux esclaves, pris de panique, partirent en courant, laissant Ranim seul avec la belle tourmente inconsciente. Il referma ses jambes du bout de la pelle pour ne pas la toucher, pour ne pas profaner ce corps. Puis il la recouvrit de sa veste, se retourna, avança de 3 pas
et s'assit seul dans la poussière. Il ne voulait pas la laisser seule, de peur que les deux malfrats reviennent et finissent leur sale besogne. Il attendit donc longtemps. Le soleil avança dans le ciel et enfin, la jeune femme battit des paupières, ouvrit les yeux. Où suis-je? Que s'est-il passé? Ranim lui raconta. Il songea un instant à lui raconter quelques mensonges, mais il lui donna la vérité. Depuis bien des jours, je vous observe dans le jardin. Et aujourd'hui, deux hommes sont venus et vous ont emmené. Visiblement, ils voulaient vous enterrer, je ne pouvais pas laisser faire ça. Alors, j'ai préféré attendre que vous vous réveilliez avant d'aller chercher des secours, de peur que quelqu'un s'en prenne à vous. Elle se leva. Lui dit, maintenant je suis réveillée. Va me chercher des vêtements et préviens le sultan. Ranim se leva et s'apprêtait à partir quand elle le retint. Attends, un instant encore. Retourne-toi, que je voie ton visage et que je puisse te reconnaître quand tu reviendras. Ranim, lentement, se retourna, posa ses yeux mordorés sur la jeune femme qui volontairement n'avait pas enfilé la veste. Elle était nue, à portée de la main, superbe et magnifique, et à genoux devant elle. Ranim profita d'une poignée d'instants et d'une poignée d'instants éternels. Tous deux savaient que c'était sans doute la seule et unique fois qu'ils pourraient se voir ainsi. Le sultan allait sans doute fermer le jardin, ou au moins faire abattre l'arbre. Ils ne pourraient plus jamais se voir. Tous deux le savaient. Va maintenant, dit-elle au bout d'un moment. Va chercher de l'aide, je t'attends ici. Elle enfila la veste. Il fit quelques pas, mais il n'alla pas bien loin. Les deux esclaves revenaient, enchaînés, traînés par les soldats du sultan, qui avançaient, fous de rage. On retrouva la belle tourmente. Le sultan ordonna que tous les hommes se tournent et qu'on apporta quelque chose pour la vêtir. Puis, il fit décapiter les deux esclaves, et enfin il ordonna que les yeux de Ranim soient brûlés. Trop de regards s'étaient posés sur sa femme, sur sa favorite, et celle de personne d'autre. La belle tourmente eut beau le supplier d'épargner ce jeune homme qui l'avait sauvé, qui aurait pu profiter de la situation et qui ne l'avait pas fait, mais il la fit taire. La fit réenfermer dans la boîte. Et tout le monde rentra au palais. Ranim fut abandonné là, aveugle. Lorsque la caisse se rouvrit, la belle tourmente était dans une grande pièce sombre, avec elle juste une vieille esclave. Pas de paillasse pour dormir, simplement quelques repas. Durant 15 jours, elle fut ainsi enfermée, sans voir personne. Elle s'inquiétait. Elle s'inquiétait pour le marchand. Elle était tellement malheureuse. Pour lui, il n'avait rien fait de mal alors qu'il aurait pu.
C'était si injuste, alors qu'il était si beau. Elle aussi, elle avait eu ces quelques instants d'éternité. Elle aussi, elle l'avait vu. Au bout de 15 jours, des femmes vinrent la chercher, l'apprêtèrent pour qu'elle rejoigne la chambre du sultan. Mais elle ne dit pas un mot quand il la salua. Il la cajola, lui proposa quelques douceurs. Elle ne dit pas un mot. Mais enfin, qu'as-tu ? Ne sais-tu pas la chance que tu as eue ? Beaucoup m'ont conseillé de te fouetter, mais j'ai préféré attendre que ma rage s'apaise avant de te faire revenir auprès de moi. Tu es toujours ma favorite, ne t'inquiète pas. Elle tourna la tête, sans dire un mot. Il voulut profiter de ses faveurs, mais elle ne s'offrit que froidement. Si bien que l'ire du souverain se réveilla, naturellement. Il la gifla violemment. « Mais enfin ! Qu'est-ce que c'est que ce comportement ? Ne te rends-tu pas compte de ma clémence ?» Mais comme elle s'obstinait dans le silence, comme son regard demeurait froid, il la gifla encore. Puis, sortant sa ceinture, il se mit à la fouetter. Encore et encore. Et au petit matin, on la reconduit dans la pièce sombre. Elle n'avait pas dit un mot. Elle n'avait pas versé une larme, pas un cri, rien n'avait franchi ses lèvres. Il la fit revenir le lendemain, tenta de la dresser, toujours plus violent, toujours plus rageux, alors qu'elle restait de marbre. Un soir, impuissant, le sultan s'assit près d'elle. Que faire ? Que faire pour retrouver la belle amie si douce qui partageait ma couche ? Pourquoi ce regard froid ? Pourquoi t'offres-tu en esclave alors que tu étais la reine de mes nuits ? Que s'est-il passé ? Pourquoi ? Que faire pour te retrouver ? Rien, répondit-elle. Tu ne peux plus rien faire. Cet homme, aujourd'hui, s'il n'est pas encore mort, le sera bientôt. Il m'a sauvé la vie. Mais vous n'avez entendu que votre colère. Vous n'avez entendu que votre violence. Vous m'avez perdu à jamais. La seule chose que peut-être vous pourriez faire pour vous racheter serait de retrouver cet homme. De lui offrir une maison, un toit. Où il pourrait vivre. Ce serait le minimum de gratitude à lui offrir. Elle parla longtemps, et le sultan l'écouta. Au matin, les gardes quittèrent le palais pour retrouver Hanim. Le pauvre était malade, il avait perdu son métier, aveugle, on ne peut rien faire. Et il se laissait mourir de faim, rêvant toujours de la belle tourmente. Ils l'ont emmené, brûlant de fièvre. Ils l'ont installé dans une maison. Et la belle tourmente a pu le soigner. Elle a quitté le palais. Elle a quitté toutes les richesses du harem pour rejoindre cette maison. Quand enfin Hanim est revenue à lui, elle lui a parlé doucement. « Je suis là. Ne t'en fais pas. Tout va bien, tu es en sécurité maintenant. Tu ne rêves pas, surtout, rassure-toi, tu ne rêves pas. Je sais que je ne rêve pas. » lui a dit Hanim. « Dans mes rêves, je peux encore te voir. » On dit que ces deux-là se sont aimés jusqu'à la fin, jusqu'à ce que la grande faucheuse n'emporte Hanim
laissant la belle tourmente avec deux enfants au beau regard mordoré. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu autant que moi je l'apprécie. Et si c'est le cas, surtout n'oubliez pas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire. Ciao ciao !